Les polices personnalisées. Les familles de police contiennent plusieurs types de police. Ils proposent d'abord une police par défaut, et si celle-ci n'est pas là, on peut en proposer une seconde. Si celle-ci n'est pas là, on peut en proposer une troisième. Et puis généralement, on termine par une famille de police générique, par une police générique du type sans sérif ou sérif, suivant la forme que nous voulons que la police ait. Maintenant, on pourrait très bien proposer aussi à l'internaute de télécharger notre police afin que notre site ressemble exactement à ce que nous faisons lorsque nous créons notre site. Alors, pour cela, il va falloir que l'internaute télécharge la police sur son ordinateur et puis donc qu'elle s'installe comme ça en arrière-plan et puis qu'automatiquement, lorsque on demandera ce que le titre H1, H2 ou H3 affiche cette police, eh bien qu'elle s'affiche normalement. Alors, ce que nous allons faire, c'est que bien entendu, il faut déjà avoir une police spéciale, spécifique, que l'on a repérée, que l'on veut absolument que l'internaute ait sur son navigateur. Par exemple, je vais utiliser moi une police qui s'appelle CAC Champagne. Je l'ai trouvée sur le site de fontsquirrel.com. Bien entendu, vous pouvez aller télécharger n'importe quelle police sans droit d'auteur, bien sûr, hein. Il faut bien sûr que les polices soient libres de droit pour que vous puissiez les installer sur votre ordinateur. Sinon, eh bien, on va violer les droits du copyright. Mais prenons une police sans droit d'auteur. À ce moment-là, on va pouvoir la télécharger et l'installer sur notre site et la mettre en téléchargement pour l'internaute. Alors, comment est-ce que cela se fait? Tout d'abord, il va falloir aller la récupérer. Moi, je ne vais pas passer par FontSquirrel, je l'ai mis en place déjà sur Amethyst. Donc les étudiants peuvent aller la chercher sur Amethyst dans un dossier qui s'appelle le dossier police. Je vais cliquer dessus et on récupère un fichier zippé. Il suffit alors d'afficher dans le dossier, de faire un clic droit et d'extraire tout pour récupérer ce dossier. Voilà, donc dans ce dossier, on a deux polices de caractère, une qui s'appelle CAC Champagne, une qui s'appelle Permanent Marker. Alors celle-ci, je ne pense pas que je vais l'utiliser. Je vais juste utiliser la police de caractère CAC Champagne. Elle a plusieurs déclinaisons avec des extensions différentes, EOT, SVG, TTF, parce que suivant les navigateurs, on va peut-être avoir besoin de différents types de polices. Alors, on retourne maintenant qu'elle est téléchargé, je vais récupérer ce dossier, ce dossier police, et je vais le coller à la racine de mon site. Mon site était sur le bureau, donc je fais un peu le ménage. J'ai l'outre 02 qui est là. Donc j'avais un dossier image, j'ai mes fichiers HTML et CSS. Et je vais coller mon dossier police. Dans mon dossier police se trouve l'ensemble des polices que je vais utiliser. Maintenant que tout est en place, je peux retourner sur mon éditeur de texte pour pouvoir ajouter cette police qui s'appelle CAC Champagne. Et en fait, cette police CAC Champagne, je veux qu'elle se mette en ordre, qu'elle se mette en application sur le titre de niveau H1. Alors, ce que l'on va faire, c'est que déjà, au niveau du CSS, au tout début, on va rajouter en dessous là le arrobase charset. Il vaut mieux les mettre au tout début, comme ça on est tranquille. On va rajouter un arrobase font-face. Et on va ouvrir les accolades. Ensuite, il faudrait coller. Et réécrire beaucoup de lignes. Alors le plus simple est peut-être de les copier-coller par rapport au support que vous avez et que je vous ai mis à disposition également sur Amethyst, mais on pourrait très bien les noter. C'est que simplement ça prendrait un peu de temps et il y aurait un gros risque d'erreur. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais télécharger mon fichier PDF en support de cours qui se trouve normalement ici. Je vais me positionner sur la bonne page. Donc, c'est en page 18 que nous avons le code à coller dans le @fontface. Donc, ce code va me permettre d'indiquer là où se trouve la police, c'est-à-dire dans un dossier police.
Donc je vais aller directement en page 18 de mon support. Voilà, en page 18, j'ai mon code que je sélectionne et que je vais coller dans mon éditeur de texte, là où j'ai mis @fontface. Je vais juste l'expliquer un petit peu. Donc voilà, on a @fontface avec l'ouverture d'accolade, la fermeture d'accolade. FontFamily, donc là je lui donne un nom entre cotes. CAC underscore champagne régular, point virgule. Je vais indiquer où il se trouve avec l'attribut src, deux points URL, et là je donne l'URL. Je donne également l'URL des autres des variantes en fait pour IOFIX, donc ça c'est un patch pour Internet Explorer avec le format, puis WAF2. Puis WAUF, puis TTF. Alors tout ça, normalement, c'est aussi quelque chose qu'on va copier-coller lorsqu'on va sur le site de FontSquirrel. FontSquirrel vous donne un code à copier-coller. Il suffit de le coller. Et ainsi, on ne risque pas de faire d'erreur. On ouvre donc bien la collade ici et on le referme après le fond de style normal. Ça, c'est pour la partie déclaration de la police de caractère. Ensuite, lorsqu'on veut l'utiliser, ben je vais aller dans mon titre H1 et là, je vais indiquer que je veux utiliser le CAC champagne régular à la place du Verdana. Non, pardon, du Tahoma. Alors on va utiliser soit le CAC champagne, si on ne le trouve pas, on prendra l'Arial et si on ne le trouve pas, on prendra Serif. Alors, on va réécrire tout ça. Hop. Alors, CAC champagne, on va le mettre entre cotes, c'est pas obligatoire. On fait attention de bien l'écrire. CAC underscore champagne régular virgule Arial virgule Sérif. Voilà, donc là, normalement, on a notre police CAC champagne régular qui est écrite exactement de la même manière qu'ici. On va enregistrer et puis on va essayer de voir un petit peu ce que cela donne au niveau de notre titre H1. Donc je vais télécharger Index. Et là, on voit que ça marche, parce que les loutres, vous voyez, on a une espèce de police en script qui apparaît de manière tout à fait correcte. Donc on voit bien que ce n'est pas de l'Arial, hein, puisqu'on a dit que si on ne trouvait pas CAC champagne, on le mettait en Arial. L'Arial, c'est une écriture bâton. Là, non, on a vraiment l'impression que ça a été écrit de façon manuscrite. Voilà donc pour l'écriture de police personnalisée. Donc en fait, c'est mon ordinateur qui n'avait pas cette police CAC champagne. Il a été la télécharger sur le serveur, la rapatrier et l'a affichée au sein de mon navigateur.